Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, test du jeu Capcom Arcane Stadium avec ses 32 titres déclinés dans 3 catégories. La catégorie action, shoots and up et combat que nous allons découvrir tout de suite après la vidéo. C'est parti les amis! Par quoi allons-nous commencer? Donc déjà, on va choisir la catégorie action, shoot and up ou combat. Il y a même les animations vidéo, on se croirait sur Bato Serra. C'est quand même assez sympa. On a la possibilité aussi... de changer la catégorie de borne. On va faire un petit gigawing. On va insérer les pièces. On a même les petits bezels pour la borne. Le petit changement de zoom. Rapide. À ces réactions, vous avez Ijemaru, Ghost and Goblin, Takatai no Banka, Ionic Commando, Ghost and Ghost, Strider, Dynasty Warrior, Final Fight, Mega Twin, Captain Commando, Warrior of Fate, Power Gear, Battle Circus, Pirate. Ouais. C'est un Captain Commando. Une pièce. Hop. Allez, Baby Commando. Projet. Projet.
Donc des scanlines sont aussi disponibles dans... Pas dans configuration, mais dans affichage. Le filtre, voilà, on peut afficher les courbes de l'écran. Les différents scanlines qui sont disponibles. L'orientation de l'écran, ça c'est pour les shmup. Le cadre, 3D, 2D. Et le classique, le super. Voilà. Donc ceux qui veulent jouer sans le bezel, vous pouvez le faire également. On retrouvera l'affichage traditionnel. Ça ne remplacera pas votre système d'émulation RetroBat, Batocera ou RetroPie, bien sûr. Mais pour les gens qui veulent jouer directement sur leur PS4, Xbox One ou Switch, ça leur suffira amplement. Très simple et intuitif. Yes. Bien tard, parfait. Destroy. Cette compile ne remplacera pas forcément pour les amateurs de Batocera, RetroBat ou RetroPie, ne remplacera pas leur système d'émulation. C'est une petite compile très sympathique à jouer si vous allez sur PS4, Switch ou Xbox. Éventuellement sur Steam, le prix est dérisoire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Rétro vers le futur, nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Si toi aussi tu souhaites jouer à ce jeu, cette petite compile Capcom, elle est disponible sur Steam mais également sur PS4, Xbox One et Switch. Je te dis à très bientôt les rétros pour de prochaines vidéos. Salut !